Je m'appelle Kandia, j'ai 15 ans, j'habite à Trappes depuis le 21 mars 2016. Ozdemir Ayche, et j'ai 20 ans. J'arrive en France en 16 décembre 2011 et j'habite à Trappes depuis 5 ans. Je viens de Dakar au Sénégal. Dakar c'est la capitale, il est bien situé parce qu'il y a la plage. Je viens de Turquie à Samsun, à 1 heure d'Istanbul. C'est une ville touristique, historique. À Dakar, j'étais dans une école privée. C'est même pour cette raison que j'ai pas eu beaucoup de difficultés quand je suis arrivée en France. Et j'étais au lycée public à Samsun en Turquie et j'ai appris anglais là-bas pendant mes cours. Et j'ai appris français ici depuis 5 ans que j'étais ici. Au début, ils pensaient que j'étais pas une bonne élève ou quelque chose comme ça. Mais au premier trimestre, quand j'ai eu félicitations, j'étais étonnée. Après, j'ai eu mon brevet blanc aussi. Ils m'ont demandé, t'as eu ton brevet, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, bah non, il n'y a rien. Vous m'avez sous-estimée, mais c'est comme ça. Pendant 5 mois au collège Yuri Gagarine, j'ai vu 2 ou 3 heures des cours en français. Bah, les autres erreurs, j'ai vu en cours normal avec un professeur du quatrième. Ça m'a fait du bien quand mon père il est allé chercher mon butin et que mon prof principal il a dit que du bien de moi. J'ai pensé plus que j'ai mon bac. Moi, c'est trop dur. J'ai pas trouvé des stages aussi, trop facile. J'ai trouvé des stages un mois après. C'est pour ça que ça m'est trop si stressé pour faire le rapport, les projets, tout ça. Mais là, je suis fière de moi en plus. Je vais te mettre ça parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'avoir des contacts avec les gens en fait. Voilà, ça. Je vais essayer de faire une formation pour un assistant manager. Je vais être continuer un peu fière de l'accueil, pour rester à l'accueil tout ça.